Salut tout le monde! Bienvenue au premier salon de manucure en papier au monde! Je suis si contente! Donc, il est 11h, voilà ma première cliente! Souhaitez-moi bonne chance! Non, vous devez d'abord prendre rendez-vous! À la prochaine fois! La fête des monstres, c'est demain! Je vous en prie! Ah, vous voici! Bonjour! Enchantée! Installez-vous, regardons vos mains! Montrez-les-moi, s'il vous plaît! Ah! Non, non, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, je bâillais. Par où commencer? Mais oui, bien sûr, le choix du motif pour les ongles. Il y a l'embarras du choix. On a les modèles colorés, ceux avec des licornes. Celui-ci peut-être. Burk! Vous êtes bien difficile, mais je vais essayer. Je sais ce qui vous plairait. Regardez ça, inspiré de la reine Elsa. Vous aimez? Super, je vais aller chercher mon matériel. Et voilà, approuvé par Elsa et Anna elles-mêmes. On y va? L'huile pour cuticule est indispensable. Une couche supérieure et une couche protectrice. Et de la crème pour les mains. Je vais tout vous montrer, ne vous inquiétez pas. On va avoir besoin d'une lime à ongles aujourd'hui. Regardez ces ongles super longs, ils ont besoin de soins. D'abord, il faut nettoyer. Il me faut une brosse et un spray de lotion nettoyante. Et... qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en, allez, oust! Encore une fois. Ah, les voici. Des lingettes humides. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Je sors tout. Oups, pardon, on fera ça plus tard. Commençons par autre chose. Je vois que vous vous impatientez. Alors, allons-y. On commence. Vous allez adorer. Donnez-moi vos mains. Plus près. Voyons voir. Oh, vous avez vu? Eh bien, on a du pain sur la planche. Mais ça ne me fait pas peur. Et à vous non plus, n'est-ce pas? C'est parti. Les lingettes humides d'Olaf fonctionnent à merveille. On va en avoir besoin de deux, pas plus. Et voilà! On frotte. Waouh, regardez la différence! La saleté sous les ongles est partie aussi. On passe à l'étape suivante. Regardons vos ongles de plus près. Ils ont besoin de beaucoup de soins. Oh! Ça ne va pas être suffisant. Il vous faut un traitement spécial. Suis à la rescousse pour un relooking. Voici mon premier outil. Je vais changer les paramètres. Ok, on peut commencer. Super! Maintenant, on va couper vos ongles. Ils sont très longs. Encore un petit peu ici. Et voilà! Génial! C'est terminé! On va jeter tout ça. On va retirer les peaux qui dépassent, comme ceci. Waouh! Contente que ça vous plaise? On va nettoyer vos mains et continuer. Ça chatouille? Essayez de ne pas bouger. Ouais, c'est dur de bien les limer. Voyons, il nous faut une lime à ongles. Donnez-moi votre main et voyez comment vos ongles se transforment. La dernière étape consiste à arrondir les angles. Ça vous plaît? C'est magnifique! Je vous l'avais dit, tous mes clients ressortent contents. Les soins de base, c'est fait. Que désirez-vous ensuite? Ah oui, c'est vrai! Les faux ongles d'Elsa, on a le choix. Quelle forme vous préférez? Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Ok, voyons voir. Celle-ci? Non? Voilà, cette forme-là est parfaite. Ah ah! Préparez-vous à un véritable relooking! Waouh! Super joli! Faisons l'autre ongle aussi! Oups! Ne bougez pas s'il vous plaît! Ok! Merci! Impressionnant! Je peux faire une photo? Ouais! Super! Je vais chercher mon téléphone! C'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau poste! Vous êtes prête pour l'étape suivante? Bien sûr! Super! N'attendons pas plus longtemps! Allons-y! Une couche protectrice est la base d'une bonne manucure. Montrez vos ongles, s'il vous plaît. Ce vernis est très réaliste, vous aimez? Je pense qu'une couche sera suffisante. Allons-y. Attendez, gardez vos mains sur la table, sans bouger. On va utiliser une lumière spéciale pour sécher le vernis plus vite. Et hop, et maintenant on attend. Ça a séché. On peut passer au nail art. Regardons les différents motifs. Oh, il y a plusieurs couleurs et plein de couleurs. Commençons par la couleur. Les marqueurs servent de vernis à ongles dans notre salon de papier. Alors, vous aimez?
Super, ravie que ça vous plaise. Et ce n'est pas fini. Le nail art d'Elsa ne serait rien sans un portrait d'Elsa. J'aime ce motif de plus en plus. Cliquez sur « J'aime » si vous aimez mon salon. Ce ne serait pas complet sans ces paroles. Il neige des paillettes. Quoi? Vous n'aimez pas la couleur? Je vais la changer. Avec les ongles en papier, rien de plus facile. Et voilà! Qu'en pensez-vous? Parfait! Dessinons quelque chose de sympa ici aussi. Je voudrais un bonhomme de neige. Tout le monde chante avec moi. Je voudrais faire un bonhomme de neige. Allez-y tous ensemble. Maintenant, j'ai à nouveau besoin d'une lampe LED. Oh, coucou Sam en papier. Dis bonjour à tout le monde. Sam sait comment faire son entrée. Faisons sécher les ongles. C'est indispensable. On ne devrait pas avoir besoin de plus de 30 secondes. D'abord, on vérifie. Parfait. Mais ce n'est pas encore fini. Une manucure de cette qualité ne peut pas se passer de paillettes. Ah, ça brille de mille feux! Utiliser de la colle à ongles pour les paillettes, un tout petit peu suffit. Étalez une fine couche de colle avec un pinceau. Ensuite, prenez les paillettes, pas besoin de beaucoup. Saupoudrez-les avec précaution, comme ceci. Ça a l'air magique. C'est terminé. Ah oui, pour rendre le vernis plus résistant, on va rajouter une couche avec effet de séchage rapide. Attendez juste quelques secondes et vos ongles sont prêts. Ajoutez une couche supérieure sur chaque ongle. Et faites attention aux cuticules, ces peaux à la base de l'ongle. Cette huile sent super bon. Voulez-vous de l'hydratant pour les mains, d'Arendelle? Avec plaisir! Je m'en doutais. Appliquez la crème avec des mouvements lents et doux pour une meilleure absorption. Et voilà! Allez-y, regardez! Ça vous plaît? Waouh, j'adore! Je suis contente que ça vous ait plu. Je peux faire une petite vidéo pour ma chaîne? Bien sûr! Merci, allons-y! Merci d'être venu. À bientôt! Les clients fidèles ont droit à une remise. Au revoir! Au revoir! C'était une journée inoubliable! Vous avez aimé la visite de mon salon? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous! À la prochaine!